il y a un barrage important. C'est celui des 500 parrainages. Ce n'est pas impossible, on peut y arriver, mais il faut du boulot et il faut charbonner. Quand j'entends qu'il y a des guichets qui ferment, qu'il y a des roulements qui vont être supprimés, qu'il y a des lignes qui vont fermer, que derrière on va supprimer le statut, on est des chômeurs en puissance. On veut les fichiers avec les noms des mécanos qui ont été fichés sur Facebook et traqués et on lâchera rien. On lâchera rien. Les gens qui ont des travaux pénibles ici, c'est pas les cheminots. Je ne peux pas dire ça, Olivier, c'est inadmissible ce que tu es en train de raconter. C'est une réalité. Un agent, il est parti à la retraite le lendemain de son pot de départ, il est décédé. Mais ne me dis pas non, je te dis des réalités. Vous êtes en train de demander de la justice en bas et vous êtes en train de nous dire que c'est normal qu'un monsieur à 72 ans cumule 4 retraites. C'est pas une honte, ça. Est-ce que vous répondez à ça, Jean-Baptiste Gébert? Attends, je réponds. Madame Rachel Kahn, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà osé vous le dire, mais moi je veux vous le dire. Vous êtes une femme racisée, Madame Kahn. Vous êtes une femme noire qui critiquait les Noirs et les Arabes de ce pays. C'est pour cela que vous êtes invitée.